Voilà, avec un petit peu de pièces détachées que j'avais, de visserie, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Je vais même pouvoir mettre mon émetteur. Voilà, donc les cartes acceptées sur ce stack, la dimension, c'est du 16 sur 16. Alors, faire gaffe parce qu'il n'y a pas tant de cartes qui sont à ce gabarit-là. Donc, je pense que je vais pouvoir installer, je l'espère, ce truc-là. C'est vrai qu'on se dit que le format peut être assez bizarre. Alors, ce qui est très malin de leur part, c'est qu'on peut couper les morceaux qui ne sont pas utiles. Donc, on peut vraiment s'adapter à toutes les situations possibles, jusqu'au format, si on enlève tout, on a un format Tiny Tank. Donc, on passe du 30-30 au rien du tout. Donc, vraiment top. Alors, il suffit, c'est vrai que j'osais pas le faire au début, de couper selon les pointillés. C'est vrai que c'est flippant à faire. Tac, voilà. C'est pré-découpé. Donc, on peut pas se planter, quoi. Là, je vais faire pareil. Dois pas être bien sur le. Voilà. C'est propre, c'est net. Vraiment, ce petit émetteur là, je l'aime beaucoup. En plus, il est pas cher, donc si, pour vos petits montages, et franchement, il fait vraiment le taf, quoi. Pour 14-15 euros, n'hésitez pas. Franchement, je le recommande.